Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 45. Je m'entraîne. Première activité, souligne les verbes conjugués au présent, donne leur infinitif et leur groupe. Sattar l'af'al al-musarrafa fi l'hadar, hat l'infinitif wa l'majmoua. Le pâtissier garnit ses entremets. Alors le verbe conjugué au présent, wa garni. L'infinitif, c'est garnir. Il appartient au deuxième groupe. Les élèves écoutent avec intérêt les conseils du nutritionniste. Écoute, le verbe conjugué au présent, c'est écoute. L'infinitif écouter, il appartient au premier groupe. Cette ouvrière arrondit ses fins du mois en vendant de la galette. Arrondi, l'infinitif arrondir, deuxième groupe. Ma mère et mes sœurs souhaitent se rendre à l'exposition consacrée au chocolat. Souhaiter, l'infinitif c'est souhaiter, il appartient au premier groupe. Les denrées alimentaires occupent tout le rez-de-chaussée de cette grande surface. Occupe, l'infinitif occupé, premier groupe. La bonne cuisinière goûte toujours son plat avant de le servir. Goûte, l'infinitif goûter, il appartient au premier groupe. Deuxième activité, recopie les phrases avec le sujet qui convient. Bon, nous avons mis le tamarin qui a donné l'ikhtiyarat. تاع الضمائر رايحين تاع الفاعل يعني رايحين نشوفوا لا تيرمينيزون تاع لو فيرب هكذا باش نجيبوها صحيحه alors عندنا nous وعندنا les enfants شوفوا le verbe choisissons nos fruits avec attention alors choisissons عندنا issons هذه قلنا مع nous deuxième phrase نسمع les élèves fini la recette de son gâteau fini na ite donc c'est la terminaison du troisième personne pronom personnel donc rahan hat nasma troisième phrase ma voisine les ménagères remplissent leur couffin remplissent issent hadi tadul ala al jam' donc rahan nkhayr les ménagères les apprentis je farcis les courgettes. Farci is, je choisis le pronom personnel je. Les cuisiniers, vous blanchissez les légumes. Alors, Anna issez, donc la bonne réponse est à vous. Dernière phrase, tu, les ouvriers, obéis aux règles d'hygiène. Anna is. La bonne réponse est tu. Tu obéis aux règles d'hygiène. Troisième activité, mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. يعني صرف الأفعال الموضوع بين قوسين fait le présent de l'indicatif. Ma jeune cousine aplatir la pâte à pain. Là, le verbe aplatir, نحذف ir. نصرفوا مع ma jeune cousine يعني à la troisième personne du singulier qu'on a la terminaison it donc aplati les médecins avertirent leurs patients sur les dangers d'une mauvaise alimentation avertir je supprime le ir نتحصلوا عندنا les médecins pluriel j'ajoute ent aver pardon, j'ajoute I-S-S-E-N-T. Avertisse. Troisième phrase. Vous applaudir la performance de cet extraordinaire chef cuisinier. Applaudir. J'efface I-R. À vous, j'ajoute I-S-S-E-Z. Vous applaudissez. Pour me désaltérer, je choisir toujours de boire de l'eau. Choisir, mais je, نحذف ir, نحط is. Durant le ramadan, nous réunir, mais nous,
حنحذف ir نحط ISSONS. Une somme d'argent pour offrir des repas aux démunis. يعني في خلال رمضان نجمع القليل من المال ولا مبلغ من المال للتصدق عليه ولا لتقديم وجبات للمعوزين والفقراء. Les responsables organisaient le concours du meilleur cuisinier. المسؤولين نظموا أحسن مسابقة أحسن طباخ. Organiser, راهي تاع premier groupe هنايا نحذف ER نحط ENT. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.